Salut, c'est 77 Cabal et on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Watchdog. Et donc on allait. Hop, je vais faire la chose. Salut. Et... Bonjour monsieur. Sérieux, tu vas me dégoûter. Donc la conduite accompagnée, voilà. Let's go. C'est bon, j'arrive. Putain, même toi, les flics vont me serrer, grouille. Ok, rendez-vous, point. Et cette voiture-là. Voilà. Let's go. Oh, je me suis bloqué dans les voitures. Ok. Bon. Je suis là. Les forces de police de Chicago sont parvenues à déjouer une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place, tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square où la police a installé des barricades. Ici centrale, on a le feu vert pour un scan CGOS. On cherche le suspect. Alors, poursuite de police. Les polices, c'est zéro. Centrale à toutes les unités, scan. Et merde. Ah d'accord, c'est déjà dedans. Aïeux. C'est bon. Ici centrale, on a le feu vert pour un scan CTOS. On cherche le suspect. Centrale à toutes les unités, scan CTOS lancé. Il fait de la chance. Il dit que super intrigant et tout. À toutes les unités, le central lance un scan CTOS pour trouver le suspect. J'espère que t'as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Non. Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Bon, pour échapper aux recherches, quittez la zone, vous pouvez également vous cacher un peu. Après l'avoir garé en appuyant sur B. Attention, vos ennemis peuvent reconnaître votre véhicule s'il passe à proximité. Appuyez sur l'accélérateur pour redémarrer. Et qui est mort, je l'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont sortis de nulle part. Ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle-la. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu veux te faire descendre comme ton pote? Allez, baisse la tête. Centrale, on va essayer de le coincer en vérifiant les allées. Bien sûr, tous les ponts du périmètre sont levés sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Bon alors, c'est quoi le plan? Parle-moi! Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fermes. On est l'air d'une bagnole normale. C'est compris? Ouais, ouais. Ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide? Oh le bâtard. Ah putain, j'ai eu peur. Je veux dire, le bâtard il va... Reste calme et baisse la tête. Ok. On y retourne. Putain, on va y aller. Eh merde, dis quelque chose, je flippe là. Oh merde, putain, j'ai puté Eddie. C'est ma faute. J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit quand le blessé. Mec, c'est. C'est pas choqué qu'il y ait une voiture qui est là en plein milieu du bac. Ces types, ils acceptent pas l'échec. Alors maintenant, les flics, au lieu d'un cambrioleur, recherchent un assassin. Facilite pas les choses. Faut que tu me tires de là, putain, je suis dans la merde. Grave. Sois heureux que je te fasse pas marcher. Attends. Je réfléchis un peu, je peux passer. Ici. Rien par ici. Ah. Les roues de votre côté. Lâche-toi.
Oh putain. Si j'ai plus de faire comme ça. Ah, il reste là. Cache. C'est bon, elle a plus. Allez, vite, vite, vite. Et on trace. On peut se taper les arbres, c'est possible. Ouais. Oh. Et on se laisse stresser. Je dois l'avouer. Là. Ça c'est du saut, on apprécie. Ah la musique trop stressante en plus. Ok, on y est, on a réussi. Il y a des gars qui vont nous rejoindre, c'est pas le moment de merder. Oh merde. C'est Lucky Queen. Pourquoi le boss du club nous rejoint ici? Il n'est pas là pour nous. Il est là pour toi. Quelqu'un était au courant. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Il ne devait y avoir personne. C'est qu'une usine d'ordinateur, non? Mais l'alarme s'est mise à gueuler et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins, je l'ai eu, non? C'est ça l'important. Effectivement, c'est ça l'important. Ainsi va le monde. Et il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça j'ai compris, monsieur Quinn. Mais c'est pas moi qui ai merdé. Non, c'est pas moi. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça va mieux maintenant. Vous avez pu parler à votre mère? Appelez vos amis? Votre fiancée? Non, monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. À votre employeur que je la rappellerai. Si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. Lucky Queen, une belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. Ouais, il y avait bien une sale gueule. Alors, comment ça s'est passé? Pas de soucis? Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club? L'argent, c'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Une Il trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. Ok. Bonjour. Belle journée pour le shopping, non?
C'est sur ce café, les amis, que nous allons nous laisser. J'espère que ce gameplay épisode 6 de Watch Dogs vous a plu. Bon, en ce moment, j'ai un peu de chance, je ne meurs pas beaucoup, je suis mort juste une fois à la première mission, mais depuis, je fais des choses bien sans crever, c'est étrange venant de moi. Non, je plaisante, je suis un pro d'infiltration, etc. Voilà, c'est ma passion. Non, j'ai quand même... Donc, je vous laisse, les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et bye! Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. Te voilà. Maintenant, vers moi. Je l'ai eu.